donc sur le week-end, ce sont les ruralités. Alors les ruralités, c'est depuis une quinzaine d'années la transformation de ce qu'était le comice agricole en une fête rurale au-delà de l'agriculture. C'est l'agriculture, bien sûr, hein, c'est le fondement, mais au-delà. L'originalité, c'est que c'est une fête de niveau intercommunal, c'est-à-dire qui se déroule successivement chaque année sur une commune différente. Nous sommes 13 communes de la communauté. Nous avons cherché à profiter de cet événement qui arrivait au tout début du lancement de notre procédure PLUI. La communauté de communes est présente là et avec comment dire, la volonté d'interpeller des habitants, des personnes diverses et de les interroger sur, avec des questions larges sur la façon dont ils verraient, dont ils voient le territoire à l'avenir, leurs besoins, leurs envies, enfin de façon très très large. Un PLU intercommunal, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un document de projet qui, à horizon 2030, doit définir le projet d'aménagement et de développement de la communauté de communes. Le plan local d'urbanisme, son élaboration va s'échelonner sur une durée de 3 ans, avec 3 grandes phases. La première, l'élaboration d'un diagnostic de territoire, photographie du territoire à un instant donné. La seconde, l'élaboration d'un projet d'aménagement et de développement durable. C'est vraiment la pierre angulaire du document puisqu'il exprime le projet d'aménagement du territoire. Et c'est ce projet d'aménagement qui va se traduire ensuite de manière réglementaire au travers d'un zonage et d'un règlement. Sur le volet concertation, les élus ont souhaité être novateurs en matière de communication et de concertation sur l'élaboration du projet. Pour ce faire, sera mis en place une plateforme numérique. Cette plateforme numérique, donc un véritable outil de concertation à destination de la population. Pour nous, élus, c'est d'avoir un contact avec nos habitants qui puissent nous raconter comment ils voient leur territoire et puis pour nous, de les informer de l'ensemble du dossier. Et donc de pouvoir partager tout au long de la construction du document. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est que cette concertation fonctionne au mieux et que l'ambassadeur qui est désigné dans chaque commune puisse trouver auprès des habitants des réponses, des questions, toutes sortes de choses qui nous permettent de partager entre élus et habitants. Je vous invite bien sûr à vous rendre sur ce site pour pouvoir raconter votre perception du territoire, votre quotidien. La communauté de communes du Loir a mis en place un service des permis de construire sur la communauté de communes à partir du 1er juin. Donc Angers Agglo a son propre service et nous, les trois communautés de communes périphériques, Vallée-Loire-Authion, Loire-Aubance et la communauté de communes du Loir, ont décidé de mettre en place un service commun. Depuis juin 2015, la DDT se désengageait en fait de l'instruction des actes d'urbanisme. Donc les maires des communes membres de la communauté de communes du Loir ont décidé de créer ce service. Donc c'est un service mutualisé et donc je suis l'instructrice ici pour m'occuper de tous ces actes. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'était une formation destinée aux secrétaires de mairie, aux agents des collectivités qui s'occupent de recevoir en fait les demandes d'urbanisme. On va profiter de cette création de service mutualisé pour avoir un logiciel adapté à notre communauté de communes. Le fait d'avoir ce service mutualisé à l'échelle du territoire va permettre d'avoir une certaine proximité. On travaille sur un territoire rapproché, elles vont recevoir les actes, donc la formation ici c'était de travailler sur ce logiciel et de noter en fait toutes les informations des demandes d'urbanisme dans ce logiciel et moi après je vais les récupérer ici pour pouvoir les traiter, les instruire. Il nous était présenté le nouveau logiciel Carte ADS qui permet au service instructeur de la communauté de communes d'instruire les dossiers d'autorisation d'urbanisme, de permis de construire, de déclaration préalable ou de certificat d'urbanisme. C'est un logiciel qui va nous permettre de travailler plus en réseau avec le service instructeur, de voir en temps réel l'avancement de l'instruction d'un permis de construire par exemple. Depuis la mise en place de ce service, on a retrouvé de la proximité avec ce rapatriement dans les locaux de la communauté de communes. Les habitants qui ont des questions à poser peuvent venir les poser directement à la communauté de communes. Pour la personne concrètement, le pétitionnaire,
rien ne va changer. Et s'il a des travaux à faire, il va quand même devoir déposer un permis de construire, une déclaration préalable. On est vraiment sur une organisation différente au sein de l'instruction. C'est plus la DDT, c'est un service mutualisé. Cette année, donc c'est la 7e édition de Fabulo. On tourne sur toutes les communes. Tous les ans, il y a 3 communes qui sont choisies. Hier soir, donc, nous étions sur la chapelle Saint-Lô, où l'on a vu les vipères assassines. Il y avait donc à peu près 400 personnes. Et puis donc aujourd'hui, c'est plus dédié dans l'après-midi aux enfants. Le thème, c'est plutôt le cinéma. Et puis la verdure, la nature, le jardinage, etc. À Sermes demain, nous aurons une déambulation avec Pauline Fontaine. L'esprit est très sympa, c'est convivial, donc en plus on a de la chance, il fait super beau. Donc c'est bien, c'est génial, ça met un peu d'animation. Il faut pas croire que ces contes là, c'est simplement des divertissements, hein, des mièvreries là pour les gosses. Hein. La tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Alors ça c'est quand même typiquement féminin. Hein. Enfin écoutez franchement. Descendit où je montrais là-haut. Je vois un nuage de poussière qui vient de ce côté. Oh, sont-ce mes frères? On découvre toutes nos communes. Les gens peuvent, entre les spectacles, se balader et donc découvrir la beauté de nos communes, qu'il faut absolument garder. Preuve qu'on peut travailler à 13 communes ensemble. C'est que ce film, bien cultué, a été tourné pour être entièrement sonorisé au cours de sa projection. Oh, je viens empocher la prime pour l'arrestation d'Alpitch. Ces terres appartiendraient toujours aux Indiens. Pas vrai, Marcel. Tirez-vous d'ici, tous les deux. Qu'est-ce qu'il prend? Je fais ce qu'il y a de marqué sur ma brochure. Quoi? Ambiance salon, tâtement de verre et bruit de crachoir. Ouais, je sais, les sons d'ambiance, c'est seulement pour les plans d'ensemble. Là, on voit la danseuse, pas les gens qui crachent. Ouais. Et alors, c'est pas parce qu'ils sont plus à l'image qu'ils ont arrêté de cracher.